Et oui, c'est aujourd'hui la journée mondiale du rire. Alors, j'espère qu'on va rire ce matin avec vous, Julie. On va se gêner. C'est ça, on va se gêner. On va rire avec Maxime Rayou, j'espère, pour les j'espère audiences. Aussi. Et vous faites moins de jeux de mots que Romain Ambro, alors forcément, on rit moins. Bah oui, c'est vrai, chacun sa patte. On commence avec le programme d'hier soir. Avec le TF1 qui est leader, avec le lancement de la saison 4 de la série Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Plus de 5 millions de téléspectateurs et 20,4% du public. Deuxième place, elle est pour Philippe Etchebest et Cauchemar en cuisine. 3 700 000 et 14,4% du public. Et la troisième place, elle est pour la nouvelle série de France 2, Major Crimes. 3 500 000 téléspectateurs et 13,5% du public. Voilà donc pour les audiences du prime time, Mes amis, mes amours, mes emmerdes, qui démarre donc plutôt bien. 5 millions de téléspectateurs, même si c'est un petit peu en dessous des saisons précédentes. Hier, tout le casting de la série avec l'adorable Bruno Madinier était dans ce studio. On passe aux audiences de la TNT hier soir. Avec deux chaînes qui dépassent le million et le cinéma donc marche très bien sur la TNT. Première place, elle est pour W9 avec le film Percy Jackson, le voleur de foudre. 1 500 000 téléspectateurs et 6,3% du public. Deuxième place pour D8 avec le film Demolition Man avec Sylvester Stallone. 1 100 000 et 4,7%. Et on va souligner la bonne audience du documentaire proposé par NRJ12 hier pour l'occasion de la naissance du Royal Baby, Kate et William, les secrets d'un couple, qui dépasse les 600 000 téléspectateurs sur la TNT. Hier soir, l'émission était présentée par Jean-Marc Morandini. Les deuxièmes parties de soirée. Avec France 2, avec mots croisés consacrés au Front National, 901 000 téléspectateurs et 8,6% du public. Est-ce que vous avez le temps de jeter un œil sur les access? Absolument, avec Touche pas à mon poste qui recevait les frères Bogdanov et le fameux Bogdabus qui était là en fin d'émission. 1 300 000 téléspectateurs et 6,2% du public. Le Grand Chenet est à un peu plus d'un million de téléspectateurs et 5,3%. Et C'est à vous est à 936 000 et 5% du public. Je sens que ça vous a plu, le Bogdabus, j'ai adoré, visiblement. J'ai adoré le Bogdabus.